Les 51e journées de Soleur ont débuté jeudi. Durant une semaine, tout le gratin du cinéma suisse est réuni sur les bords de l'art pour découvrir les dernières productions, débattre, distribuer des prix et manger des petits fours. On va parler de ce festival incontournable avec vous, Tommy Kung. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes réalisateur suisse et votre dernier film est présenté à Soleur. Ich bin Kurt. Voilà, c'est son titre. Et il est en lice pour le prix de Soleur aux côtés de 8 autres films, dont oui. Fragments de paradis de Stéphane Goël. Alors je cite celui-là parce que c'est le seul film francophone de cette élection. Oui, j'ai vu le film de Stéphane. C'est très bien. J'ai trouvé vraiment, il faut aller voir ce film. Les petits vieux qui vont bientôt mourir, c'est touchant. Il faut aller voir. Mais je dois dire, je pense que c'est quand même mon film qui va gagner le prix de Soleur. Ça veut dire les 60 000 francs. Ce sera pour moi. Et pourquoi votre film? Parce qu'il révolutionne le cinéma suisse. Vous savez, il y a pas mal de clichés sur les films suisses. Ah bon? Oui, on dit souvent les films suisses, ils manquent d'ambition. Ils sont trop lents, ils sont intello, ils sont mal écrits, mal tournés, mal montés, mal joués. Personne ne va les voir. Mon film balaye tous ces clichés. Alors, qu'est-ce qu'il a de particulier? La première particularité de Ich bin Kurt, c'est qu'il y a une histoire. En l'occurrence, l'histoire de Kurt, qui travaille comme livreur de matelas. Chaque jour, Kurt livre des matelas dans un périmètre de 40 km autour de l'entreprise de matelas pour laquelle il livre des matelas. Mais un jour, Kurt décide qu'il a assez livré des matelas et qu'il veut affirmer son personnalité et qu'il veut dire au monde qui il est. Voilà. C'est l'histoire. Ça a l'air passionnant. On peut regarder un extrait? S'il vous plaît. Ich bin Kurt. Ich bin Kurt. Ich bin Kurt! La première particularité... Oui. C'est vraiment super. On n'avait jamais applaudi. Je disais, la première particularité, c'est qu'il y a une histoire. Oui, vous l'avez la déjà deuxième dit, ça. Particularité, c'est que Ich bin Kurt traverse les Röstigrappen. Puisque j'ai écrit cette histoire avec Antoine Jacoux, qui est belge. Oui, Antoine Jacoux, scénariste lausannois, qui va d'ailleurs recevoir mardi le prix d'honneur des Journées de Soleur pour service rendu au cinéma suisse. Je sais pas. Quatrième partie... Troisième. Quatrième, c'est la combien? C'est, peu importe. La troisième. La troisième. Oui, troisième particularité. Oui. J'ai engagé des acteurs professionnels pour jouer dans Ich bin Kurt. Ah. La majorité des films suisses sont tournés avec des acteurs non professionnels, saviez-vous? Bah, c'est peut-être aussi que la majorité des films suisses sont des documentaires, en fait. Je sais pas. Quatrième particularité, Ich bin Kurt est un film très, très ambitieux qui va être exporté en Suisse romande, naturellement, mais aussi à la France. D'ailleurs, on a même fait un lip-sync dubbing. Ah, le film a été doublé. Oui. Il n'a pas été juste sous-titré. Comme pour avoir plus de chances de succès auprès du public francophone. D'ailleurs, j'ai aussi pris un extrait du film dans la version française. Bah, on le regarde. Je suis Sébastien. Je suis Sébastien. Je suis Sébastien! Ah, le personnage ne s'appelle plus Kurt. Non, parce que... Non. Parce que Antoine Jacoux m'a dit que le prénom Kurt n'était pas populaire à la francophonie. Alors on a choisi Sébastien. Vous avez bien fait, oui. Et on a aussi fait une version
anglaise. Ah bon? Pour le public des États-Unis. C'est très ambitieux, j'ai dit. J'ai d'ailleurs aussi pris un extrait de la version anglaise. Eh ben, on le regarde. I am Jennifer. I am Jennifer. I am Jennifer! Jennifer. Oui. Parce qu'un ami américain m'a dit qu'aux États-Unis, ouais, la livraison de Mattela, c'est plus un job féminin. Alors pour la version anglaise, mmh, le personnage devient une femme. C'est ça. Très bien. Je pourrais dire encore plein de choses pour, ouais, donner envie au public d'aller voir. Ouais, mais je crois qu'on en a déjà presque trop dit, en fait. Donc tout va bien. En tout cas, on souhaite bonne chance à votre film. Merci. Qui est en compétition donc à Soleure. On se réjouit. Je pense qu'il gagne le prix. Aussi, peut-être. Sûrement. Ah, qui sait, c'est tout ce qu'on vous souhaite. On se réjouit de le découvrir sur nos écrans également. Tommy Kung, je rappelle que vous êtes réalisateur suisse et je vous souhaite une bonne soirée. On dit Krung. Krung, pardon.